there's a fire, but no fight regained. Help us, oh, tonight we are losing this fight. Oh, help us, oh, tonight. Yo tout le monde, c'est Jérém Jim, bienvenue dans le sommet infernal 1, là cette fois-ci je vais vous montrer les deux essais où on a réussi, parce qu'hier on en a fait 5, on en a réussi 2, bon c'est pas encore totalement au point, mais voilà la formation qu'on a utilisée. Donc là ce qui est bien avec cette base là, c'est que tout le monde fait la même, et puis après il n'y a plus qu'à se tourner pour être bien calé. C'est pas mal. Alors par contre, il n'y a que Medine là dans la formation qui avait le démon de glace, parce que Tsuki, Bixro et moi, nous avons pas le démon de glace. Et non, ça paraît ouf, mais on l'a pas. Puis bon, c'est facilement, on peut l'avoir facilement en tirage de IH ou directement en fragment. Mais bon, on est bien occupé sur d'autres héros, donc monter un démon de glace, c'est un peu, c'est pas trop dans nos priorités. Mais par contre, le démon de glace, ouais, il est vraiment utile. Ça permet vraiment de temporiser entre le démon là qui arrive, qui a un bouclier, et le boss 5. Voilà, c'est vraiment le boss 5 qui nous met la misère. Quand il déclenche, c'est la folie. Alors, peut-être si on manque de démons de glace, mettre plus de héros avec dispersé. Bon, je pense qu'on va encore modifier nos équipes. Hein. Moi, je crois que je vais enlever ma Valentina pour mettre le bélier, par exemple. Voilà, bélier 10 sur 10, je pense que c'est toujours pratique. Je crois que Tsuki va enlever son Volta pour mettre son Diabolique, qui a dispersé 8. Donc déjà qu'il enlève les pros et en plus dispersé 8, c'est vraiment pas mal. Donc on va faire encore quelques ajustements, mais... voilà, c'est pour vous montrer déjà le principe et le type de base et déjà les récompenses aussi, parce que moi la dernière fois j'ai pas réussi à vous montrer parce qu'on l'avait fail. Bon, en même temps c'était le premier jour. Entre temps vous avez dû en voir sur d'autres chaînes, hein, ça y a pas de problème. Hein. Là c'est Doc qui nous a passé la base, bon, qui l'a peut-être eu autre part, etc. Mais enfin voilà, donc là vous voyez le boss 5 qui arrive tout doucement. Donc le démon de glace est vraiment utile pour ça, parce que ça permet de temporiser un petit peu, parce que se taper le démon qui renvoie les dégâts plus le boss 5 en même temps, c'est vraiment compliqué. Donc au moins ça permet de temporiser et d'en faire un à la fois, parce que c'est assez violent. Bon, en attendant il s'est pris quand même pas mal de dégâts, donc c'est plutôt cool. Il est accompagné là de son petit acolyte là, c'est qui sont prêts à nous mettre la misère. Alors par contre il arrive dans le coin, il vise donc les tours magiques, donc c'est pour ça que les murs sont utiles. Ça lui permet de faire un petit tour dans le vide et pour que tout le monde puisse déclencher. Voilà, entre temps je sais que le démon de glace va arriver sur le coup. Voilà, le démon de glace est dessus, donc il se retrouve totalement paralysé et ralenti. Voilà, c'est parfait, il a pas chopé la tour et en plus on l'a tué. Donc là c'était vraiment un essai parfait où on n'a pas eu trop besoin de ressusciter. Donc voilà, 4 coffres chacun. Bon, moi quand j'ai des coffres rouges, moi je les vends pour toujours avoir des cristaux, parce que les cristaux rouges ça va, et je suis pas du tout en pénurie. Par contre les cristaux bleus ça part tellement vite que voilà. Et donc voilà, s'il y a un autre essai. Par contre là c'était un peu du délire, c'est pour ça que bon, les Volta on va peut-être en laisser un ou deux quand même dans notre équipe. Là vous voyez que déjà Bixro a enlevé son Volta pour mettre son souffle destructeur, au moins ça permet de ralentir, et puis il a dispersé 7 dessus. Mais bon, vous voyez qu'on va se prendre quand même pas mal de miss, on va se prendre assez cher, et je crois que heureusement que Volta était là, parce que ça permet d'esquiver quand même pas mal de coups. Vous allez voir tous les miss qu'il y aura sur la base, si on n'avait pas ça, je pense qu'on était mort. Parce que là, il y a les Ducilia, les Medusia, franchement, c'est assez violent. Il y a le démon là qui déclenche directement son sort, là, vous voyez qu'il a mis son bouclier. Ouais, franchement, là, c'était tellement le bazar, ma tablette, elle était en panique pour enregistrer, j'ai pas fait ça sur l'ordi. Je faisais ça sur tablette, ça fait beaucoup, là. Vous voyez qu'il y a tous les miss qui sont quand même bien pratiques. Les héros qui arrivent sur le côté qui se font totalement défoncer par le roi et les Volta. C'est le feu. Hop là, demi-tour toutes pour ceux qui ont voulu spawner tout en haut. Ça fait plaisir. Là, on voit en plus, là, je vois qu'il y en a qui se prennent de zéro dégâts. Là, il y en a qui doivent avoir le brûlure je sais pas combien. Donc voilà. Donc c'est nos meilleurs essais. Ben, en espérant que cette vidéo vous aura aidé, voilà, pour vos formations et puis pour vous caler avec votre équipe. Et puis ben moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En tout cas ben là ça va être les fêtes. Je vous souhaite aussi un très joyeux Noël et plein de gemmes sur votre compte. Voilà, c'est surtout important. Là, plein de gemmes, plein de tirages, en espérant que vous ayez tous beaucoup de chance. Allez, on se dit à la prochaine et puis portez-vous bien. Tchuss !